Au rugby, ce sont toujours les mêmes qui gagnent, paraît-il. On verra ce qu'il adviendra de cette édition 2023, si la France, l'Irlande ou une autre nation rejoint le club des vainqueurs de la Coupe du Monde, qui ne comprend pour le moment que 4 équipes: Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et Angleterre. Mais ce mondial pourrait proposer un dernier carré totalement inédit. Il y avait jusqu'alors une constante: l'hémisphère sud était le plus souvent supérieur au nord. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'égalité parfaite a été le scénario qui s'est produit le plus souvent. Avec deux nations du Nord et deux nations du Sud en demi en 1987, 1991, 1995, 2003, 2007, 2011 et 2019. Le Sud a pris l'ascendant en 1999, avec 3 représentants sur 4 dans le dernier carré. En 2015, grâce à l'émergence de l'Argentine, l'Europe a même été totalement privée du carré VIP. Vers un scénario inédit. 8 ans plus tard, cette édition peut donc proposer un renversement inédit. Avec 3 nations européennes, ou pourquoi pas 4, en demi-finale. C'est tout à fait possible, car les 4 quarts de finale proposent des oppositions entre les deux hémisphères. Et c'est d'autant plus envisageable que dans chacune des rencontres, c'est la nation européenne qui est la mieux classée au ranking de World Rugby. L'Irlande et la France devancent ainsi la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Tandis que l'Angleterre et le pays de Galles sont mieux placés que les Fidji et l'Argentine dans la hiérarchie. L'Europe, qui n'a gagné qu'une seule des 9 premières éditions de la Coupe du Monde, peut-elle enfin devenir dominante dans le rugby? Ce serait un sacré coup de tonnerre.